Bonjour les amis et bienvenue sur Forever Spotless. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais commencer ma décoration de l'été et pour cela je vais commencer par ma terrasse avant. Nous allons aussi faire un petit tour dans le quartier, je vais vous faire visiter le quartier, vous montrer l'architecture. Alors c'est une personne qui m'a contacté sur Instagram, cette personne est dans la construction donc elle m'a demandé si je pouvais montrer des façades de maison ici au Canada. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de vous montrer à peu près comment les maisons sont construites ici. Donc sans plus tarder, nous allons commencer, mais avant tout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc comme je le disais, donc c'est bientôt l'été et je vais commencer ma décoration par l'entrée de la maison. Pour ce qui est de la cour arrière, je le ferai un peu plus tard parce que là-bas il y a vraiment beaucoup de travail, mais pour l'instant on va commencer par le devant. En général, il n'y a pas beaucoup à faire, ça sera très rapide. Je vais juste mettre la couronne sur la porte, mettre mes deux vases remplis de pots de fleurs. Ensuite, je vais mettre mon paillasson et mes lanternes. Voilà les amis, c'est terminé pour mon front porch. Je vous avais dit que ce serait vraiment rapide. Et comme je vous l'ai toujours dit, ce quartier est situé en hauteur. Donc quand le vent souffle, ça emporte tout sur son passage. Donc je préfère mettre très peu de choses. Donc je vais garder ma décoration minimaliste. Donc ce sera juste ces deux gros pots remplis de fleurs. Les deux paillassons, l'un en buffalo plaid noir et blanc et l'autre qui a un signe qui dit « Welcome ». J'ai aussi mis deux lanternes et si le vent souffle très fort, je les mettrai à un endroit un peu plus à l'abri où il y a moins de vent. Voilà les amis, nous allons maintenant commencer le tour. Là, il est à peu près 21h40, presque 22h, le soleil commence à se coucher. Et si je fais cette vidéo à cette heure-ci, c'est parce que tout le monde est à la maison. Il y a encore quelques personnes qui baladent leurs chiens, mais en général, là, le quartier est calme. Donc, je peux shooter ma vidéo en toute tranquillité. Donc, pour la personne qui m'a écrit, il y a des concepts qui peuvent s'adapter facilement, mais il y a d'autres concepts, je pense que ce n'est pas possible. Vous verrez dans le tour, par exemple, qu'il n'y a pas de barrière avant. Ici, on n'a pas de portail. Donc, les maisons sont délimitées sur les côtés, mais en avant, il n'y a pas de portail. Vous verrez aussi qu'il y a des maisons dans le garage et à l'avant, et certaines maisons, le garage est à l'arrière. Il y a des maisons qui ont un double garage, voire un triple garage, et il y a des maisons où il y a une seule porte de garage. Vous verrez aussi des maisons dont la toiture, enfin le toit est classique, donc pointu, et d'autres maisons, le toit est carré, c'est pour gagner de l'espace. Vous remarquerez aussi que les couleurs sont uniformes, donc c'est quelque chose qu'il faudra considérer. Les boîtes aux lettres sont communes, chacun a son numéro.
Il faut aussi considérer les zones de parc, d'aires de jeu, des enfants. Bon, c'est ce que je n'ai pas filmé, mais il y a tout ça à considérer. Il faut respecter la nature. Je tiens aussi à préciser que toutes ces maisons ne sont pas faites par un seul builder. Je pense que l'État vous répartit donc des terres et chacun construit un peu sa maison. Par exemple, ma maison peut être différente de celle de mon voisin d'à côté ou de mon voisin d'en face. Je tiens aussi à préciser que c'est un quartier parmi tant d'autres ici dans la ville où je vis. Donc ce n'est pas la norme. Il y a tellement de modèles de construction, il y a d'autres quartiers avec d'autres genres de maisons. J'espère que dans le futur je vais vous filmer d'autres quartiers. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser regarder le reste de la vidéo et j'espère que j'aurai répondu aux attentes donc de cette personne qui est dans la construction. Et c'est toujours un plaisir d'amener de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.